cette musique de fond. Le hip-hop. Le hip-hop, jusqu'où vous allez y aller. La musique, oh, les jeunes font comme ça avec le hip-hop, ils font comme ça. Il dit, c'est lui, non, c'est l'autre là-bas. Vas-y, toi et moi, toi, allez, Allah. Ah là là. Ça fait plaisir de vous voir, ça fait longtemps. On va être tranquille pour parler tranquille. Pardon, excusez-moi, 2 secondes. Et alors, tout le monde, il a le portable, il n'a pas le droit. Vous croyez que j'allais laisser passer l'an 2000 et moi je reste derrière. C'est les enfants qui me l'ont offert pour la fête des pères. Je ne la connaissais pas cette fête, mais elle est magnifique. Il est bien supportable. L'appareil avec lequel tu peux joindre tout le monde quand tu veux, si tu as envie. Et tout le monde peut joindre quand il veut, même si tu n'as pas envie. C'est bien, mais quand ça capte. 10 fois ça capte ou 10 fois ça capte pas. Et c'est toujours quand tu vas dire les choses les plus importantes, ça capte plus. Tu dis les bêtises, ça passe. Et dès que tu vas donner un rendez-vous, un numéro de téléphone ou quelque chose d'important, il commence à te faire le crin, 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 crin. Et ça coupe. Et les gens, ils rappellent même pas pour dire excuse-moi, on a été coupé. Non, il n'y a plus de politesse avec la technologie. D'ailleurs, les gens, ils disent même plus bonjour dans le portable. Ils disent allô, et après, tu es où? Mais qu'est-ce que tu t'en fous, je suis où? Tu as besoin de m'imaginer pour savoir comment tu vas me parler ou quoi? Mais ça va pas, tu es où? Alors les gens, ils font plus confiance, il n'y a plus de confiance avec le portable. Tu es où? Comment avant ils t'appelaient chez toi à la maison, ils étaient sûrs que tu étais dedans, tu vois? Mais comme maintenant ils savent que tu peux bouger avec le portable, ils ont peur que tu les feintes, ils savent pas comment. Ils font plus confiance alors maintenant. La semaine dernière, il y a une femme, elle a téléphoné à son mari, elle lui a dit « Allô chérie, c'est moi, tu es où ?» Il lui a dit « Dans la voiture ». Elle lui a dit « Ah bon, allez klaxon ». Attention, et aussi bien quand ça capte, 10 fois ça capte pas, mais qu'est-ce qu'on va faire? Attention aussi, 10 fois ça capte, et les gens ils te font croire que ça capte pas. À chaque fois que je commence une discussion avec mes enfants qu'ils n'ont pas envie de la discuter, attention papa, on va être copé, je passe dans le tunnel. Le tunnel. Depuis qu'on a les portables dans ma famille, Paris est devenu une ville souterraine. Le tunnel. Alors moi aussi je leur fais le coup. J'ai même pas de voiture. Mais je leur dis même à pied, il y a des endroits où il faut creuser un petit peu. Alors quand je vois quelqu'un qui m'appelle à qui j'ai pas envie de parler, parce que je sais qui c'est qui m'appelle maintenant avec le système qu'ils ont fait. Sur le portable, il t'accroche le numéro de celui-là qui t'a appelé. Mais comment ils font, je t'en prie, comment ils font? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se cache, il te regarde composé, il va lui dire... Base. Je ne sais pas comment ils font. Alors ce système c'est bien, mais le problème c'est qu'il n'y a plus de surprise. C'est fini l'époque où tu disais, allô c'est qui? Ah c'est toi? Non, il t'a déjà vu accrocher déjà. Il se prépare psychologiquement pour te répondre à toi spécialement. Oubliez les jeunes, qu'est-ce qu'ils font les jeunes, les garçons avec les filles? Le garçon il voit le numéro de la fille s'accrocher. Oui, allô? Ah c'est toi, oh là là, je ne savais pas. Tu ne savais pas, salopard, tu l'avais accroché depuis tout à l'heure, tu ne savais pas. Alors un jour, je lui ai fait le coup à mon petit-fils. J'étais avec sa copine, je lui ai dit, appelle-le tout de suite sur le portable. Elle l'a appelé sur le portable, il a vu le numéro de sa copine s'accrocher. Il a dit comme ça, allô, c'est toi? Je lui ai dit, non, c'est moi. Ah, moi, tu ne me parles jamais comme ça, hein. Et j'ai raccroché, je l'éteins. De temps en temps, je l'éteins le portable parce que des fois, il me monte à la tête, j'en ai marre. Et même quand je l'éteins, les gens, de toute façon, ils peuvent me laisser les messages dans la messagerie, la boîte vocale. Ah, elle est bien cette boîte vocale. Ma parole, des fois, j'aimerais l'avoir en vrai, pas rien que dans le téléphone. Avec les gens, j'aimerais avoir une boîte vocale des fois. Quand je rentre à la maison fatigué, stressé, énervé, que ma femme, elle continue encore avec « Va faire ça, regarde ça, et regarde celui-là, là-bas, viens, reviens. » Il y a des jours, ma parole, j'aimerais lui dire « Chérie, je ne suis pas là pour le moment. Laisse-moi un message, je te réponds tout à l'heure, s'il te plaît. » Mais ça serait la paix dans le monde, ça. Imagine, tu marches dans la rue et tu vois quelqu'un qui t'a pas envie de parler. Tu te mets sur la boîte vocale.
Il passe devant toi comme ça, bonjour, je suis pas là pour le moment, lycée ami. Sans y toi, tu avances comme ça, tranquillement. Elle est bien, attention, elle est très bien cette boîte vocale. La seule chose que j'aime pas dans la boîte vocale, c'est la femme qui parle dedans. Je la connais pas, mais je la supporte plus, celle-là. Tu sais, celle-là, quand tu as pas de message qui te dit, elle te le dit pour t'énerver. Déjà que personne t'a téléphoné, elle rajoute pour t'énerver, vous n'avez pas de nouveau message. Mais ne dis rien, je vais comprendre que personne m'a téléphoné. Non, elle te rajoute, personne n'a pensé à vous, voilà. Rajoute, c'est bien fait pour ta gueule aussi, non? Elle m'énerve, celle-là. Ou bien quand tu as des messages avec les vieilles, elle parle doucement, très lentement, pour que tu dépenses bien l'argent. Elle dit bonjour. Alors moi, pour pas perdre le temps, je lui réponds pas. Comme ça, on rentre pas dans comment ça va. Et la famille, toi, ça fait combien de temps que tu travailles dans la boîte vocale? Elle dit bonjour. Et doucement, maintenant elle va te faire des petits suspens maintenant. Vous avez un petit suspense, un suspense de 4,70 francs. 3 nouveaux messages. Après, qu'est-ce qu'elle te dit celle-là? Elle te dit, si vous voulez les écouter. Si je veux les écouter. Non, je veux rien que savoir combien j'en ai fait voir. Ouais, c'est 3 messages, ouais. Si je veux les écouter, qu'est-ce que je vais faire avec si je ne les écoute pas? Non, j'attends que j'en ai 18, je ne les écoute pas, et je les efface d'un coup. Elle m'énerve celle-là. Quand tu vas acheter un sandwich, est-ce qu'on te dit si c'est pour le manger, appuie sur le 1? Et en plus, les messages, c'est quoi les messages? C'est toujours la même chose. Allô, bon, tu n'es pas joignable, alors rappelle-moi, voilà. Et toi, tu rappelles. Allô, j'ai bien eu ton message que j'étais pas joignable. Maintenant, c'est toi qui n'es pas joignable. Alors, rappelle-moi, toi. Et attention à la femme de la boîte vocale. Elle va aller lui dire à l'autre aussi. Il n'arrête pas. Toute la journée, elle commence le matin. Toi, tu as deux messages. Celui-là, il a 3. Celui-là, il va recevoir. Celui-là, il veut récolter. Mais tu vas tomber malade, ma fille. Elle m'énerve, celle-là. Mais bon, c'est bien supportable, je fais tout avec. Maintenant, quand je vais amener les petits-enfants au cinéma, attention, l'an 2000, hein, c'est fini l'époque où j'allais devant le cinéma, je reste deux heures comme ça, comme un hamad là-bas. Non, 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 non. Maintenant, je tape un numéro, il y a une voix qui parle avec moi, et me dit appuie le 1, appuie le 5, appuie le... Ce qu'il me dit d'appuyer, je l'appuie. Jusqu'à ce que j'achète les places du cinéma, et je vais là-bas direct. C'est pratique. Mais le seul problème avec celui-là qui fait la voix dans le cinéma, c'est que toujours au début, il est gentil, il est calme, il est bien, de bonne famille et tout. Et dès qu'il te dit le titre du film, il s'énerve avec toi. Il te dit bonjour, bienvenue, ça fait plaisir, voilà. Alors, si vous avez sélectionné la guerre des étoiles. Oh, 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 je veux rien qu'aller au cinéma. Laisse le film, il va me faire peur, toi reste tranquille. Ah là là, je me suis dit peut-être celui-là, il est fou, peut-être il parle comme ça même dans la vie, j'en sais rien. Peut-être celui-là qui fait la voix du cinéma, il t'invite à manger chez lui, il commence gentiment, il te dit bonjour, rentrez, ça fait plaisir, venez, asseyez-vous à la table, voilà. Allez, servez-vous, alors vous avez la salade de carottes. Je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Il est bien supportable. Attention, je l'amène partout avec moi, hein. Sauf dans l'avion. Dans l'avion, ils veulent pas que tu fais le portable. Je sais pourquoi maintenant tu n'as pas le droit de faire le portable dans l'avion. Il y a deux flèches là-bas dans le portable. Je crois que tu peux conduire un peu là. Ah, ça sort pas d'ici. Il y a aussi un autre endroit où tu n'as pas le droit de faire le portable, c'est à l'hôpital. D'ailleurs, ils ont toujours un petit dessin là-bas, c'est un rond comme ça, avec dedans, il y a un portable, il est dessiné et il est barré avec une croix. D'ailleurs, je me demande toujours, est-ce qu'ils ont dessiné un portable bien entier, après ils l'ont barré avec cette croix, ou est-ce qu'ils ont prévu une croix avec des petits espaces dedans parce qu'ils savaient qu'ils allaient dessiner un portable?
Ou peut-être avant, les portables étaient autorisés, il n'y avait rien qu'un portable. Et un jour, un docteur ici énervé, il a dit c'est fini, maintenant il n'y en a plus. Je sais pas. Je pense aux artistes, moi. Peut-être, je sais pas, mais je comprends pourquoi tu n'as pas le droit de faire le portable dans l'hôpital. C'est normal, avec tous les gens, les pauvres, ils sont malades, ils sont bronzés avec des appareils électroniques, et quoi, tu vas parler, ils vont commencer à... C'est honteux. Aïe, 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 c'est bien ce portable. Le seul problème, le vrai problème, ma parole, le seul problème, c'est, depuis que les enfants m'ont offert ce portable, ils ne viennent plus me voir. Sous prétexte qu'on est joignable en permanence, ils ne viennent plus. Grâce à la communication, on ne parle plus. Alors je leur dis, mais c'est pas ça, qu'est-ce que ça veut dire? Même si on doit se disputer, qu'on se dispute en vrai. Même si on doit... Moi j'en ai marre de je t'embrasse très fort, viens faire les bisous. Et attention, dans le portable, tout le monde s'embrasse, même ceux qui ne se connaissent pas. Il t'embrasse très fort, il te fait des bisous, des gros bisous, et mille baisers. Tu es avec qui? Ah, il est là, embrasse-le lui aussi. Et quand ils arrivent devant toi, bonjour, ça va? Oui, ça va bien, attention, oui, oui. Alors on ne se voit plus avec les enfants. En plus, maintenant, ils font le truc là-bas, comment ça s'appelle là, avec l'ordinateur là de l'Internet. Oh, bon, l'Internet. Qui aurait cru que mes enfants, ils vont faire l'Internet? Nous, au Maroc, on nageait dans le web, eux, en France, ils surfent dans le web. Alors, je ne les vois plus, ils sont toujours sur boîte boucale. Depuis qu'il y a ces portables, cette famille, on dirait une cassette. Ils ont toujours le même message qui dit, bonjour, nous ne sommes pas là pour le moment, laissez un message, on vous rappellera. Et moi, je laisse toujours le même message pour qu'ils n'oublient pas. Je dis, allô, c'est votre père. Vous, vous n'êtes pas là pour le moment, mais moi, je suis là. Enfin, pour le moment.